De se lancer, Valérie Rebaud, c'est le dossard numéro 20. Et une valeur sûre de cette catégorie des plus jeunes pilotes. Catégorie jusqu'à 22 ans, catégorie de 125. Et bien, Montgomery. Bien sûr, les pilotes qui s'envoient à pilote maximum devant la machine. Allez, les deux prochains, Espagnol et Chilien, numéro 14, c'est Rui Barbosa, le numéro 12, Enric Francisco. Allez, l'avantage pour Rui Barbosa pour l'instant, sur l'extérieur, sur les plaques en béton, c'est dur. Francisco. Le pilote KTM qui a l'avantage. Regardez le retour rapide de Rui Barbosa. Il est sur le haut, sur le pont. Rui Barbosa, il est peut-être un petit peu plus rapide. Il a fait une erreur dès le départ sur les plaques. Il peut se passer quelque chose. Il peut revenir, ça c'est sûr. Rien n'est fait, Maxime. Attention sur. Maintenant, cette sortie rapide et spectaculaire. Oh.
Hola, aquí en el circuit. Está el súper enduro, la vida de la gente. Tira hasta el casa, se ve el señor. Bon rythme. Peut-être un petit peu plus d'erreur là pour le Chilien. L'avantage donc quoi, Enric Francisco en 55, le premier partiel. C'est très rapide Pierre. 55 secondes. Peut-être un des meilleurs temps. Peut-être un des meilleurs temps. À suivre. Dans ce final, dans les derniers instants, mesdames, messieurs, de cette super test. Allez, le 12, le 14, le 14, le 12, un espagnol, un chilien maintenant. Le dernier passage sur le pont pour Enric Francisco. Oui, Barbosa sur l'extérieur en pleine accélération. À cet instant, Maxime, qui de ces deux pilotes, mesdames, messieurs, va remporter cette super test. Oh, ça attaque. Oh, ça attaque. Pour l'instant, l'avantage est espagnol. Oh, le final. Sans France, un pilote qui a été aussi podium en Espagne. Il a fait la troisième place en Espagne le samedi. Voilà, Léon Lecuéret pour son premier Grand Prix. Il avait déjà été sur le podium en Espagne. Il est au départ, Léon Lecuéret. Alors, on va le voir sortir en Francisco. Thank you.